une puissance. Et vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Et en Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici une parole forte dite par Jésus à ses disciples. This is a strong word that Jesus said to his followers. Amen. Amen. Jésus est venu sur ce terre. Jesus came on the earth. Né de Marie, sa mère. Born from Mary, his mother. Jésus a été son père adoptif, Joseph. Jesus asked of the Father. Avant que Jésus ne vienne déjà dans le livre d'Esaïe, dans le livre des prophètes. Before he was born, il a commencé à prédire. The prophet started predicting the coming of Jesus. Jésus est venu d'une vierge qu'on appelait Marie. He was born from Mary. Et il est resté pendant 30 années. He stayed dans sa région appelée Nazareth. In Nazareth. C'est à partir de 30 ans. From 30 years, on a commencé à entendre parler de Jésus. People are going now to start talking about Jesus. Au-delà de 30 ans, c'est l'âge de la maturité à Israël. And then the age of 30, the age of wisdom. Jésus est Dieu, Jésus est la force, Jesus Jésus est la parole, tout ça. Mais Jésus a attendu l'âge de la maturité avant de pouvoir la parole. The age of maturity before taking the word. When you work for Jesus in the Jordan. Amen. Amen. Et après le baptême du Saint-Esprit, de l'eau plutôt, Jésus va recevoir le Saint-Esprit. After the blessing you receive from him, il va rentrer, the Holy Spirit, il va rentrer dans un moment de recueillement, he will enter in a fasting period. Alors il va faire 40 jours de jeûne. And then we fast for 40 days. Après des moments de jeûne, Jésus va ressortir, after fasting, revêtu de la puissance. He's going to come back. Il va commencer, the power of God. Il va commencer son ministère. He's going to start his ministry. Amen. Amen. Et ce qui caractérisait le ministère de Jésus, what is important? C'était les miracles, the miracles, les grands signes, les guérisons, les miracles, big signs, afin de partir les gens, so that to please people. Amen. Amen. Oh, dans la loi de Moïse, in the law of Moses. C'est dit Dieu, s'appelait Dieu d'un blasphème. To say God. Alors Jésus n'avait pas peur de dire ouvertement qu'il était Dieu. Jesus was not afraid to say that he is God. Les gens interdisaient les gens de suivre Jésus. People were forbidding people to follow Jesus. Jésus, un homme puissant. They were un homme qui dégageait l'onction. Et powerful man. Et de guérison. Alors Jésus avait trois ans. 3 years. Jésus a eu 3 ans de ministère. 3 years of ministry. Il a été crucifié. He was crucified. Mort. Dead. Et ressuscité. And then. Amen. Après sa résurrection. After his resurrection. Jésus a fait 40 jours avec ses disciples. 40 days. Il a resté 40 jours avec ses disciples. He stayed 40 days. Changé avec les disciples. Amen. Les transformés des instructions et tout ça. C'est après les 40 jours. After 40 days. Jésus a fait 60 disciples. Il va lui donner une parole très forte. He's going to give him a strong word. Amen. Amen. Il dit, vous recevez le Saint-Esprit. You restez ici. Stay here. C'est parce qu'il vient sur vous l'Esprit de Dieu. So that the Spirit of God has come on you. Vous serez mes témoins. You'll be my testimony. À Jérusalem. In Jerusalem. La Judée. In Judée. La Samarie. Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. And then till the end of the earth. Quand Jésus a fini de parler. When Jesus finished speaking. Et Jésus est parti. He went. Amen. Amen. C'était la dernière parole de Jésus. It was the last word of Jesus. Avant de partir au ciel. Before going. Et c'est vraiment important pour chacun d'entre nous. It's very important for every one of us. Say amen. It's very, really important. Jésus dit vous recevrez une puissance. Jesus said you will receive a power. C'est pour dire quoi? Dieu, il est puissant. God is powerful. Dieu, c'est la puissance. God is powerful. Dieu, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Jesus is the authority. Donc, it is the power. Parler de Dieu, sans qu'il ne se manifeste. We cannot hear about God so that. On ne peut pas parler de Dieu sans qu'il y ait manifestation de la puissance. We cannot hear about God without. Amen. Amen. C'est vrai que les disciples étaient inquiets. It's true that parce qu'ils avaient Jésus chaque jour avec eux. Because they have Jesus in them every day. Il devait partir. He told them that he has to go. Il dit c'est vrai, mais bientôt viendra sur vous le Saint-Esprit. But soon the Spirit, the Holy Spirit will come on you. Et vous serez mes témoins. And then you'll be mine. Amen. Amen. On dit amen. You say amen. Vous savez être témoin de Jésus. To be a testimony of Jesus. Avoir la puissance de Dieu. Amen. You must have the power of God. Un témoin
Qui me donne la définition de témoin? C'est qui un témoin? So what to give me the definition, the meaning of a witness? Le témoin, c'est quelqu'un qui est là. Non. La définition de witness. Qui a vécu la chose, un fait. Qui a vécu ça. Someone. Donc il vient sur mon lit. Il vient dire ce qui est vrai. Someone who says the truth of an action. Amen. Amen. Il a vécu un fait. Donc il vient dire ce qui est vrai. The one who lives. Jésus nous appelle à être témoins de Jésus. Qui était là quand Jésus vivait? Tu t'es fait. Qui? Pas de dire à quelqu'un qui était là avant qu'il meure. Nobody. Oh, je vous appelle à être témoin. But Jesus has some witnesses. Et nous sommes témoins de Jésus. Ah, to show to people that we are just la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de chacun. It is the power of God in the lives of all of us. Et vous recevez ma puissance. Receive my power. Et vous serez mes témoins. And you'll be my witnesses. Amen. Amen. Oh, chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, every time a God témoigné de la puissance. Have to witness from the power of God. Témoigné de la puissance de Dieu. Have to witness from the power of God. Il faut que tu aies la puissance. You must have the power of God. Il faut que tu aies la puissance de Dieu. You must have the power of God. Dieu est ta mère. Être ton témoin. God wants you to be his witness. Être son témoin. To be his witness. Moi aujourd'hui, quand je vous dis Jésus guéri, when I say Jesus cures, j'ai été guéri miraculeusement. I was cured miraculously. Pendant que mes poumons étaient infectés, j'étais en Europe en hiver, pendant que mes poumons étaient infectés. Quand on voit dans la sorcellerie, les blancs ne pouvaient rien, ils ne pouvaient rien. Mais lorsqu'on a annoncé Jésus-Christ comme sauveur, et quand j'ai accepté Jésus, when I accepted Jesus, il m'a guéri. He cured me. Non seulement il m'a guéri, mais il m'a protégé. He protected me. Et le même Jésus a confondu tous mes sorciers. The same Jesus confused the witchcraft. Je peux témoigner de la puissance de Dieu. And he just say, I can give a testimony. Oh, et fort, I can be a witness. De Jésus guéri. That, oh, et fort, I can be the witness. Jésus protège. Jesus is the protector. Jésus le puissant bouclier. Jesus is the same. Oh, Dieu amène chacun d'entre nous être témoin. God wants every one of us to be his witness. Que tu sois son témoin. God wants you to be his witness. Vous serez mes témoins à Jérusalem. You be my witness in Jérusalem. Jérusalem, c'est ta famille, là où tu es. Jerusalem is your family. God wants you to be a witness. De sa puissance. For his power. Il fallait qu'on parle de ta vie. Apart from your life. Dégage la puissance de Dieu. We must see the power of God. La manifestation du pouvoir de Dieu. The power of God. Quand tu regardes, quand tu regardes, quand tu regardes, people who are so God is the life in your life. La puissance de Dieu. The power of God. Quand on parle de ta vie. Quand ça from your life. People must know the power of God. Alléluia. Amen. Tu as appelé un témoin de Jésus. Amen. You have to be a witness of Jesus. À Jérusalem, à ton famille. Amen. Amen. Il faut que tu aies la puissance de Dieu. You must have the power of God. La puissance de Jésus. Have the power of Jesus. Vous serez mes témoins. You'll be my witness. À Jérusalem. In Jerusalem. Amen. Amen. Le témoignage commence déjà par la maison. The testimony starts. La maison d'abord. Il faudrait que les gens reconnaissent le pouvoir, l'autorité qu'il a. People must recognize the power of God at all first. Vous allez demander au monde, ma famille, nous dirons, lui, Dieu avec lui. People, you can ask to remember my family, they will ask that they will say that they are honest with God. Ils savent they all have my testimonies. Satan a mangé les gens, les sorciers mangé they les gens. Evil people used to eat. Ils sont arrivés à mon niveau. They raped me. Ils ont mangé celui qui était derrière. They stopped. Viens manger sauce grêle pour nous. Amen. Et ma vie témoin, my life is a testimony. My life is a il fallait que tu sois témoin de Jésus. You must be a witness of Jesus. Ta vie, il fallait que les gens reconnaissent from your life. Le pouvoir, the member of your family, the power and the authority of Jesus. You be my witness. Encourage them. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas à vous de prêcher. It's your turn to cry. Qu'on accepte Jésus, c'est synonyme de la puissance de Dieu. Amen. Le fait d'accepter Jésus, accepter Jésus nous amène à ses enfants. Et on a tout témoigné de sa puissance.
And we have to recognize his power. He's not here to wonder and cry. Amen. Amen. We didn't choose it. But Jesus chose us. Jesus chose you. Amen. To establish all this. People give testimony of the power of Jesus. When you receive the power of God, it is the power that we receive in us. Respect. And then people can respect you. Amen. Amen. Don't spoil the name of Jesus everywhere. When you have the power of God, when you have the power of God, people are afraid. When Peter has disparaged the cœur de Pierre, amen, the blessing of God, la puissance de Dieu. On a the fear of this because of the pouvoir de Dieu. When you have the power of God, Dieu nous amène. God can manifest son pouvoir. To give a manifestation of his power. Dieu t'appelle. God tells you. A manifester son pouvoir. To celebrate his power. His power. Dieu amen. Amen. Tu as appelé à manifester le pouvoir de Dieu. You have to give amen the power of God. To be witness of Jesus Christ. Dieu t'appelle à être son témoin. God wants you to be his witness. Dieu t'appelle à son témoin. There is someone God wants you to be his witness. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. You'll be my witnesses in Jerusalem. Jérusalem. You'll be my witnesses in Jérusalem. Ta famille. La famille de Jérusalem. Oui, ta famille d'abord. Your family first. Oui, cette famille d'abord. This family first. À partir de cette famille. Apart from the family. Il doit être loin à partir de la cité. And you will go another place. Le peuple païen doit découvrir en toi la puissance de Dieu. And people must discover in Christ you the power of God. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. We need the power of God. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. We need the power of God. Nous avons besoin de ce pouvoir. We need this power. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit, qu'on a le pouvoir de Dieu. When we have the Holy Spirit, the power of God. Le diable obligé de se soumettre à nous. The devil cannot do something. Amen. Amen. Le diable obligé de se soumettre à nous. The devil. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Will fail. We need the power of God. J'étais à la maison ce matin. When I was up this morning, j'ai pris un message. I received the message. Et le Seigneur m'a dit, parle-moi. And then God said, j'ai la puissance. God power. Amen. Amen. Alors le Seigneur m'a mis à cœur un chef. Je vais l'imposer. I had to fast. But the fasting is for all the members, for all the members, for 30 days, 21 days, 3 weeks. À partir de demain, apart from tomorrow, we have to fast. Those who are looking at me on YouTube, on this video, it is a message. The Holy Spirit. Tous ceux qui veulent entrer dans une élévation quelconque. When you want to enter 2015. Tous ceux qui veulent avoir une délivrance. Those who want to have deliverance. Il faut que cette personne observe le seul. You must fast. À partir de demain. Apart from tomorrow. Demain lundi 9. Apart from the 9. Nous allons commencer le seul. We are going to start fasting. Pendant 3 semaines. For 3 weeks. Alléluia. Amen. 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 Vous savez. You know, Daniel avait des difficultés. Daniel says, Daniel avait des difficultés. He had some troubles. Il est rentré dans un moment de jeûne. He entered fasting. Et pendant qu'il priait, and when praying, il avait un obstacle dans le ciel. There was trouble. Après les 21 jours de jeûne, and after fasting, l'ange envoyait le message. The angel sent him a message. La bénédiction de Daniel. Of blessing of Daniel. 21 jours de jeûne. We are going to have the fasting of 21 days. Parce que la Bible ne demandera pas de fourneau seulement. L'homme ne vivra pas de vous. Vous voulez que la année 2015 vienne de démarrer. The year 2015 une année de bénédiction. Must be for us the year of blessing. But what did you do? C'est pas la question. Qu'est-ce que tu fais? What did you do? L'année 2015 sera pas la grande bénédiction. So that the year 2015 will be sacred dans une bénédiction. So we cannot enter the blessing. Sans prix à payer. Without paying the price. Dans une bénédiction, si tu as payé. Before entering the blessing. So c'est que Dieu dit. Pour sauver l'humanité, for something. Va se donner lui-même en sacrifice. The Savior of the humanity. Jésus lui-même. Jesus. Démarré son ministère. For his ministry. Il a fait jeûne de 40 jours. Fasted for 40 days. Amen. Amen. Chaque personne va jeûner
Every one of us have to fast. We have to fast and pray pendant 21 jours. For 21 days. Nous couper tous les 18 heures. Every 6 invoquer le nom de hours. 6 p.m. Pour que nous délivre de and then invocate the name of Jesus. So that we can be delivered from the evil. Pour que nous délivre de la maladie. From sickness. Amen. 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 We say amen. Je pense que tu es fatigué. I know that you are tired. Je pense que tu es fatigué. You are tired. Il faut que tu te délivres. God must deliver you. This year. Nous allons délivrer vous. We are going to stand. Nous allons s'en prier. And then pray together. Nous allons s'en prier. And pray together. Nous allons dire au Seigneur. We are going to say to God. Ma promis la puissance. The power of ma promis la puissance. Who promises me power. Ma promis le Saint Esprit. Who promises me the Holy Spirit. Le Saint Esprit. The Holy Spirit. S'il te plaît. Please. Je compte sur toi. I rely on you. Je compte sur toi. I rely on you. Mes regards sont fixés sur toi. Délivre-moi. Deliver me. Délivre-moi. Deliver me. Et donne-moi ton pouvoir. And give me your power. Afin que je puisse témoigner. So that I can be a witness of your power. Nous prions ensemble, Seigneur. We pray together. Nous prions ensemble, Seigneur. We pray the Lord. Nous ouvrons la bouche et nous prions Dieu. We pray together. Nous prions. Ouvre la bouche. Open your mouth, Dieu. Speak to your God. Parle à ton Dieu. Speak to your God. Ouvre la bouche. Open your mouth. Parle à ton Dieu. And speak to your God. Parle à ton Dieu. 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 Speak to your God. Commande les esprits. Command the spirit. Lâche ta vie. To lead your life. Command. Command. Au esprit. The spirit. Délivrer ta vie. To deliver your life. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. The chain. The chain. The chain. The chain. The chain. The chain. Du célibat. Du célibat. Of all married. Non. Pardon. The chain. De la maladie. Of sickness. The chain. The chain. Of jobless. When you are jobless. In the name of Jesus. I pray God in the name of Jesus. The name of Jesus. In 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 the name of Jesus. Om Namara Shaka Baba Baba Baba. Om Namara on the Shaka Baba Baba. Om Namara Shai on the place. Waiting on the place of Baba Baba Baba. Om Namara Shai on the Jesus. Om Namara Baba 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 Baba. Nous prions Jésus-Christ de Nazareth. Merci, notre Dieu. Thank you, God. Voyons, Seigneur, à ta main. We believe. Voyons ta délivrance. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Thank you to deliver us. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Nous levons la main. We raise our hands up. Raise your hands up. Et vous recevez une puissance. Receive the power of Seigneur le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Vous serez mes témoins. You'll be my witnesses. Vous recevez une puissance. Receive the power. Et vous serez mes témoins. And you'll be my witnesses. Ce matin. This morning. Dieu veut t'équiper. God wants to give you. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, aimerait te visiter ce matin. Wants to visit you. Dieu aimerait te bénir. God wants to bless you this morning. The presence of the Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of the Holy Spirit. 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 The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is maintenant. The Holy Spirit is coming on you. God wants to give you this morning. God wants to deliver you this morning. God wants to visit you this morning. The power of God. Visit you this morning. The power of God. 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 This morning. This morning. This morning. This morning. In the name of God. In the name of God. Go. 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 I command. Go! La puissance de Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. The power of God. The Spirit. The Spirit. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Hello. Our in action. In action. The Holy Spirit.